Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de semaine. J'espère que vous allez bien, que votre week-end s'est bien passé, que vous êtes en forme. Et pour continuer donc dans la bonne humeur, je vais vous présenter aujourd'hui pour cette nouvelle revue masque un duo formant donc le Goliath, voilà deux véhicules sortis donc en 1987 et tirés donc de la seconde série Racing, à savoir donc que pour cette Goliath, comme je vous l'ai dit, il y a deux véhicules. Donc, tout d'abord, un transporteur de véhicules, puis une Formule 1 dans le civil, qui se transforment bien évidemment tous deux donc en véhicules d'attaque redoutables. Un set donc assez apprécié et recherché donc par les fans de la gamme Mask. Voilà, donc sans perdre de temps, je prends tout de suite la parole. Les deux trous de balle, comme toujours, bien évidemment, nous sommes habitués maintenant, vous feront un petit coucou en fin de vidéo. Allez, c'est parti! Oh cool, une revue Max, oh ça c'est cool. Ah ouais, un petit peu de fraîcheur, un petit peu de nouveauté. Ça, moi je trouve aussi ça super cool, ouais. Alors bah qu'est-ce que vous souhaitez? Bah, tout simplement de passer un bon moment, de bien vous amuser. Et puis de profiter donc de ces deux véhicules. Moi, je dis que c'est déjà pas mal. Ouais, c'est pas mal du tout en effet. Bon allez, on vous retient pas plus. Et on vous dit rendez-vous à la fin. Allez, tchuss les mecs! Tchuss! Et commençons tout de suite donc par un petit 360 de nos deux véhicules, donc le Goliath 1, qui est donc comme vous pouvez le constater, et bien évidemment un transporteur de véhicules dans le civil, et Goliath 2 juste ici, donc qui est une Formule 1 dans le civil. Voilà. Donc deux véhicules vraiment sensationnels, comme toujours nous avons affaire donc aux matériaux robustes, à de nombreuses pièces chromées, mais ça on va revenir dessus juste après. Les deux véhicules sont extrêmement bien réalisés, voilà, avec quelques petits sponsors
inventé, créé pour l'occasion, mais bon, ça fait son taf, hein, et voyez, même derrière, en termes de finition, c'est vraiment superbe. Voilà, à savoir, bien entendu, hein, que le poids des deux est quand même assez élevé du fait de plastique vraiment très robuste et très dense. Voilà un petit peu donc pour ce petit 360. Alors, concernant donc les figurines fournies donc avec ce set, nous avons tout d'abord, juste ici, le pilote principal de Goliath, donc du camion, donc le chef Nevada Rushmore, un ami d'enfance de Matt Tracker, voilà. Extrêmement bien réalisé, avec voilà, des tatouages sur le torse, j'essaye de faire une mise au point, voilà, des tatouages sur le torse, pas mal de petites finitions sympas, la coupe, la coiffe d'Indien, les plumes. Voilà, la figurine est vraiment très très bien réalisée. Et puis donc nous avons toujours, hein, en termes voilà, d'articulation, voilà, les bras que nous pouvons lever et baisser, nous pouvons l'asseoir et nous pouvons également replier les genoux. Voilà, donc petit aperçu donc de Nevada Rushmore qui, donc une fois, voilà, son masque équipé, possède le pouvoir du totem, donc capable tout simplement de lancer sur ses ennemis des totems. Et oui, rien que ça. Et voilà un petit peu, hein. Le casque est bien dans la continuité de la tenue. On a une petite partie ajourée sur le dessus, donc qui laisse dépasser les plumes. Et puis on voit un petit peu aussi le bas du visage. Voilà, très 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 sympathique. Et donc en seconde figurine, hop là, nous retrouvons le copilote de Goliath, donc à savoir le chef Matt Tracker, voilà, juste ici, donc qui pilote quant à lui donc la Formule 1, voilà, chacun son véhicule, donc plutôt très très bien réussi là encore en termes de finition, hein, on voit donc ici sa petite arme, voilà, une tenue bicolore, bleu, jaune, qui rend plutôt pas mal, hein. C'est vrai que Matt Tracker, on l'a dans pas mal de versions, puisqu'il pilote quand même plusieurs véhicules, donc au fil des séries et au fil des collections de jouets, des gammes de jouets. Voilà, et donc voici le casque de Matt Tracker, que l'on peut lui positionner directement sur la tête, fait à partir également. Alors ça c'est assez original, on a une visière et on a juste en dessous donc un bandana qui vient lui protéger le bas du visage, donc avec son masque Shroud qui quant à lui donc a la possibilité de créer donc un épais nuage de brouillard, un épais brouillard tout simplement. Voilà, ce qui peut compliquer la vue donc la vie pardon à la team Venom. Voilà, figurine vraiment très très classe. Et comme tout véhicule masque, nous avons bien évidemment, voilà, les portes qui s'ouvrent de façon à y placer nos deux figurines. Alors je vous fais voir un petit topo, voilà, de l'intérieur. Alors le volant n'est pas rond, hein, c'est un volant un petit peu type K2000 tout simplement, avec donc les ceintures rigides, hein, de façon à bien maintenir les figurines pour la transformation et pour le mode attaque. Voilà, à l'intérieur avec des petits stickers et autres, c'est voilà, c'est propre. Et donc nous pouvons placer notre figurine Nevada Rushmore, hop là, le voilà aux commandes du Goliath, voilà. Et puis donc nous pouvons également en profiter pour placer notre petit Matt Tracker sur Goliath 2. Voilà un petit peu le résultat. En termes de gimmick, on a des choses vraiment très très sympas. Alors je vais réduire pour le coup un petit peu l'image. Vous avez, voilà, la possibilité donc de lever la plateforme arrière et vous avez juste ici une pièce donc, voilà, qui se soulève comme ceci et qui permet donc de tenir ouvert, de tenir maintenu du moins cette partie-là. Voilà, toute la partie de arrière. Vous voyez, c'est robuste, c'est solide. Et puis donc, vous pouvez sortir ensuite, voilà, ces parties-là, de façon à... Alors... Hop, de façon à... Voilà, extraire le Goliath 2 du camion. Voilà, qui est vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Alors, je mets Goliath 2 de côté pour l'instant. Voilà, qui est vraiment sympa, hein, et donc
Après, alors il y a des ratchets, hein, ça tient bien, mais voilà, ça permet quand même un maintien supplémentaire, donc on peut le rabattre. Une fois le Goliath 2 sorti et rentré, c'est parti là. Et voilà, donc pour Goliath. Alors on remarque tout de suite hein, pas mal de finitions comme j'aime, c'est-à-dire bah, tout d'abord des pièces chromées. Voilà, toute cette partie-là est chromée. Quelques petits stickers sur le toit et à l'avant du moteur. Voilà. Niveau de l'avant du véhicule, nous retrouvons donc la grille, le pare-choc, les phares là encore en chrome, toujours du chrome pour les jantes, et nous avons voilà le plaisir, comme toujours avec un jouet masque, d'avoir du pneu gomme. Ça, c'est super. En plus, ça vieillit plutôt pas mal avec le temps, et les pneus donc sont imprimés Goliath. Voilà, le souci du détail jusqu'au bout. Et de dos, voilà ce que ça donne. Là encore, donc avec l'arrière de la plateforme en métal chromé, et puis donc les feux arrière donc sont deux autocollants. Voilà. Plutôt sympa, le véhicule roule parfaitement bien et grâce à ses pneus gomme, il ne fait absolument aucun bruit. Donc voilà, vue de dessus, de face, de profil et au niveau de l'undercarriage, pas grand-chose de négatif à dire. Tout est vraiment bien compact, tout est bien planqué. Donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment la finition masque, la finition Kenner comme on l'aime. Donc à savoir que pour la transformation, vous allez voir, c'est relativement simple, mais ça fait son taf. Toujours le système de mécanisme. Hein. Donc, vous allez tout d'abord, voilà, rabattre ces deux parties-là, puisque voilà, dans le mode attaque, donc il s'agit d'un lance-missile, d'un lanceur de missile. Voilà, vous pouvez ensuite lever ces parties-là. Nous apercevons tout de suite, voilà, les deux missiles à chaque extrémité. Et pour la transformation de la cabine, vous faites une rotation de cette partie-là, et voilà, ça se fait tout seul. Comme ceci, vous n'avez plus après qu'à, quant à vous, rabattre le cockpit. Alors j'ai mal mis ma figurine de Rushmore. Enfin, je suis pas sûr que ça sorte correctement. Hop, évidemment, hein, Monsieur Gaffe et Boulette a encore frappé. Alors je vous remets ça, je fais une petite pause et je vous remets ça bien propre. Voilà. J'ai résolu le problème du positionnement de la figurine. Donc ensuite, vous abaissez cette partie-là, voilà, la partie du cockpit, et vous tournez cette partie-là, donc qui devient un petit canon. Vous en avez un également juste ici. Voilà. Dommage que cette partie-là ne soit pas chromée, hein, la partie avant du moteur. Ça aurait été sympa aussi, mais bon, voilà, c'est pas trop dramatique étant donné que voilà, le chrome quand même prédomine, hein, sur les jouets masques. Donc voilà, hein. Et puis ce qui est sympa aussi, c'est que vous voyez, quand vous tournez, vous avez donc voilà les deux lance-missiles arrière qui pivotent automatiquement. Voilà, tout se joue dans les mécanismes. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment extrêmement bien pensé pour l'époque. Et puis donc nous avons bien entendu les deux poussoirs juste ici en noir, donc qui permettent, voilà, d'éjecter les deux missiles. Voilà, ça fait son taf, c'est extrêmement bien. Et concernant donc voilà les positions, vous pouvez éventuellement voilà le mettre comme ceci. Et voilà donc notre lanceur de missiles. Voilà, Venom peut serrer les fesses devant ce petit pépère. Voilà, il y a intérêt vraiment à assurer au max et à ne pas trop stresser du slip. Voilà un petit peu donc pour le Goliath 1. Et juste pour le fun, un petit 360 donc de notre Goliath 1 dans son, voilà, dans sa configuration lance-roquette, lanceur de roquettes. Là, c'est vraiment sympa, il fallait y penser, hein. L'ingénierie était vraiment remarquable, hein. Puisqu'à savoir que donc pour le dessin animé, comme beaucoup de jouets des années 80, a vraiment été créé pour promouvoir la gamme de jouets. Mais ceci dit, le dessin animé n'était pas trop mauvais, la qualité générale graphique de la série était quand même bien propre, avec des doublages relativement corrects. Donc voilà, hein, vraiment impressionnant ce petit père Goliath. Alors passons à présent donc à Goliath 2 et
comme l'indique, voilà, le sticker juste ici, piloté par donc Matt Tracker, le chef masque, rien que lui, voilà. Le numéro 9, on retrouve donc le Goliath. À l'avant également des stickers Tracker, voilà, étant philanthrope et multimilliardaire, hein, il a la possibilité de se faire sa propre pub. Voilà, quelques petits stickers également à l'avant et à l'arrière. Voilà, Kendall Motor Oil, voilà, donc voilà, ça nous fait penser un petit peu à Esso ou autre, mais façon US. Toujours, voilà, des jantes chromées, absolument superbes. Les pneus plastiques, par contre, ceux-ci sont un peu plus rigides que pour le Goliath 1. Voilà, nous avons également donc le volant normal, hein, pour une Formule 1. Donc, vu de face, de profil, de dos, voilà, c'est propre, hein. Et au niveau de l'undercarriage, là encore, voilà, tout est parfaitement dissimulé. Et tout comme Goliath, voilà, elle roule parfaitement. En faisant cette fois-ci un petit peu plus de bruit, puisque les pneus sont un peu plus, voilà, sont en plastique plus rigide, plus dur. Mais vraiment, voilà, superbe véhicule que voilà. J'aime beaucoup. Petite Formule 1. Alors, il y a le clan Venom également qui possède sa propre Formule 1 avec les deux frères Mayhem. Mais voilà, celle-ci, alors, je vous ferai peut-être une vidéo à l'occasion, hein. C'est vrai que pour l'instant, donc, je me concentre essentiellement sur la Team Mask. Voilà. Et concernant la transformation, bah, toujours à base de mécanismes, hein, toujours extrêmement ingénieux. Vous avez tout simplement ici cette petite pièce. Vous allez appuyer dessus comme ceci. Et voilà, la transformation est automatique. Alors, je vous le refais. Voilà. Comme dans ce sens-là. Vous appuyez et voilà. Vous voyez, vous avez les roues qui se transforment du coup en réacteur arrière, les ailes qui sortent de chaque côté, et puis pour terminer, donc vous prenez la partie avant, comme ceci, vous la déloquez, et vous venez la rabattre ainsi vers l'arrière. Et voilà, donc notre Goliath 2 transformé en jet d'attaque, et on remarque donc ici, voilà, deux petits canons à l'avant, et puis les deux petites bombes également, deux petites bombes donc qui se trouvent sous chaque aile. Voilà, extrêmement bien pensé. Alors il n'y a pas, voilà, la transformation est quand même relativement basique, mais voilà, ça fait son taf, hein. Et puis avoir ce set donc contenant deux véhicules en un avec deux figurines, voilà, c'était vraiment sympa. Donc, voilà un petit peu pour notre petit Goliath. Et à savoir également donc qu'il y a un gimmick. Alors je vais revenir avec le Goliath 1 dans sa forme civile. Donc vous avez, voilà, cette petite pièce ici qui ressort. Et lorsque vous, voilà, retournez Goliath, vous avez juste ici, vous voyez, une petite glissière. Alors ce qu'on va faire tout simplement, c'est venir positionner Goliath et, alors, le faire rentrer en avant. Alors, je relève ça. Voilà. Comme ceci. Vais-je y arriver? Voilà. Et donc, cette petite pièce, hein, permet de loquer Goliath 2. Donc, notre petite Formule 1. Voilà. Sans qu'elle ne tombe. Mais pas que. Puisque lorsque vous éjectez vers l'avant, donc Goliath, voilà, vous avez donc cette petite mâchoire, cette petite pièce qui permet donc de créer automatiquement la première étape de transformation, voilà, de Goliath 2 dans son mode jet, et plus qu'à du coup à rabattre vers le dessous, donc les roues avant. Et voilà, donc encore une petite astuce bien pensée. Alors ça ne fonctionne pas à tous les coups, mais voilà, quand ça fonctionne, ça c'est voilà, c'est vraiment cool d'avoir cette transformation automatique. Vraiment, voilà, la gamme masque, hein, c'est, je reviens dessus, je leur dis à chaque fois, mais c'était vraiment quelque chose à l'époque. Voilà, une gamme de jouets vraiment admirable. Voilà, tout simplement le genre de choses qu'on aimerait bien avoir aujourd'hui, je sais pas, une réissue des véhicules d'époque ou une version un peu plus moderne. Alors ce qui fait peur, c'est bien entendu avec les matériaux d'aujourd'hui,
Pas sûr d'avoir tous ces chromes, d'avoir des pneus gommes, d'avoir tout ça, mais bon, je serais quand même curieux de voir ce que ça pourrait donner une gamme masque un peu plus contemporaine. Voilà pour cette petite aparté. Et pour conclure, donc un petit 360, voilà, de notre Goliath 2 dans son mode jet. Voilà, c'est probant, ça fait son taf. On a bien les ailes, l'avant, l'aileron arrière et les deux roues, donc qui pour le coup donc deviennent les réacteurs. Voilà, c'est tout simple, mais voilà, une fois de plus, c'est voilà, ça fait son taf, hein, vraiment, vraiment un jouet incontournable de l'époque. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève cette revue masque du jour, donc consacrée au duo Goliath et Goliath 2. Donc je le répète, hein, sorti en 87 et tiré donc de la deuxième série Racing. Si vous voulez en savoir plus, éventuellement, sachez que quasiment l'intégrale de masque est disponible sur YouTube. Donc en cherchant un petit peu, vous devriez trouver sans problème tous les épisodes, voilà, qui est pas mal, et vous découvrirez donc hein, tous ces véhicules vraiment sensationnels, et verrez également par la même occasion qu'ils sont donc extrêmement fidèles au dessin animé, du moins les véhicules du dessin animé sont extrêmement fidèles à la gamme de jouets. N'hésitez pas comme toujours donc à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, etc. etc. Ravi de vous avoir fait découvrir pour les uns ce superbe duo, et redécouvrir pour les autres donc voilà ce duo tout simplement quasi indispensable pour l'époque. N'hésitez pas donc hein, toujours comme vous le faites très gentiment et avec beaucoup de gentillesse donc voilà de me laisser vos petits commentaires. Je vous remercie d'avance également pour tous vos petits pouces bleus que vous pourrez me laisser et qui sont pour moi voilà une petite récompense personnelle. Voilà, ça fait toujours super plaisir. Et puis bah, que dire, nous de notre côté donc on se retrouvera fin de semaine pour une nouvelle vidéo ou pour un unboxing ou pour un nouveauté nouvelle. J'attends pas mal de choses sympas donc on découvrira tout ça ensemble. Un petit coucou de bienvenue bien évidemment donc aux nouveaux abonnés hein, venus rejoindre notre famille et communauté de fans de jouets et de robots transformables des années 70 à nos jours. Merci pour votre confiance. J'espère que vous vous plairez parmi nous et que vous prendrez également plaisir à découvrir mes différentes vidéos. Et puis, comme toujours, bien entendu, hein, plein de gros bisous aux plus anciens. Voilà. Donc, je vous souhaite la meilleure semaine possible, plein de courage et n'oubliez jamais le credo. Faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis. Bye bye, tchuss. Ouais, mais moi, en attendant, j'ai une question questionnante. Ah ouais? Et c'est quoi? Ben, on a bien vu la revue de Goliath, mais la revue de David, elle est où? David et Goliath? T'es trop con, mec! On n'est pas dans la Bible! Bon oui. Mais si ça se trouve, David, il aurait eu juste un tout petit vélo, et contre Goliath, il aurait gagné. Tu veux dire, en lui lançant un caillou? Oui, dans le pot d'échappement, ça aurait fait pouf. Ah ouais, pas con, mec. Mais, je serais toi, j'éviterais d'en parler. Il est juste à côté, Goliath. Bon ouais, et alors? T'as vu ses missiles suppos? Tu veux que je te rappelle certaines choses? Ah non, je vois, je vois, je vois. Ouais, bah si tu veux pas avoir mal au cul, tais-toi. Waouh, vraiment, ça rigole pas d'être un chevalier Max. I would have waited an eternity for this. It's over, Prime.